Ces cheminées ont été à la source de nos problèmes, puisqu'en fait, ce sont elles qui ont décompressé. Elles se sont vidées comme des sabliers. Et donc, c'est cette décompression qui a entraîné la fouille archéologique préventive. Depuis le XIIe siècle, le château de Collioure est un enjeu militaire entre la couronne d'Aragon et le royaume de France. Chaque occupation successive amène des évolutions dans la construction de cette place forte remarquable. Une architecture qui joue un jeu subtil entre murailles et canons. Les fouilles préventives vont se concentrer sur deux zones précises. Le bastion nord, appelé bastion espagnol. Le bastion de la mer, qui enveloppe le moineau construit par Louis XI au XVe siècle, à l'architecture complexe. Les archéologues espèrent en révéler des détails encore invisibles aujourd'hui. Ici, le travail il est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit fouiller, mais on doit vider. Donc l'idée, en fait, c'est que cet espace va être restitué au public. Là, on peut se répartir de toute façon. Alors le mobilier, on dit comment? Là, c'est pareil, il faut voir où il est. Ces terrasses de tir constituaient des espaces défensifs stratégiques. On y tirait au canon et au fusil pour repousser bateaux et assaillants. Mélangés à ces tonnes de terres et de remblais, on espère toujours découvrir les vestiges d'un combat, l'écho d'une vie de soldats, ceux qui ont construit les épopées de nos livres d'histoire. On a commencé la fouille des remblais qui viennent recouvrir les terrasses de tir. Et donc, on va trouver toute une série d'objets liés à la vie militaire du château, en fait. Hein. Donc là, vous avez par exemple des boulets de canon. Donc ce sont des petits boulets qui fonctionnent avec les canons de petite dimension qu'on a dès la fin du 15e siècle, en métal. Hein. Ils sont assez lourds. On a des dimensions variées. On peut avoir des tout petits, puis des plus gros. Et après, on peut trouver également des objets qui sont liés à la vie des militaires, donc de la garnison sur le site. Et donc là, par exemple, vous avez un fragment de pipe en céramique. Donc en terre cuite, qui est décorée de fleurs de lys. Tout de suite, on arrive à toucher du doigt vraiment de très près la vie des personnes qui travaillaient là et qui vivaient là. Au bout de quelques jours, une calade apparaît dans les premiers niveaux. Elle est photographiée et démontée. Le site de fouille sur le bastion nord devrait faire apparaître l'agencement de cette partie de fortification qui date du début du XVIe siècle. Mais les plans de cette époque sont peu précis. Ça part comme ça, ça refait un redin là, ça tourne là-bas, ça tourne là, enfin c'est vraiment... Là, on est en train de sortir des vestiges, il y a des murs partout, tout simplement parce qu'il y a des époques différentes. Donc là maintenant, la suite de l'opération, ça va être de comprendre et de démêler en fait cet enchevêtrement de murs pour essayer de les dater déjà et de voir quelles sont les successions. Modules différents, des blocs qui sont de taille plus importante que dans l'autre comblement, mais aussi plus nombreux. Je suis en train de faire l'enregistrement, c'est-à-dire que je décris la totalité des vestiges que l'on dégage, que l'on découvre. Puisque bien entendu, lorsque l'on fouille, on détruit aussi l'objet de notre étude. Donc on est obligé d'en garder un souvenir le plus précis possible. Et on décrit la texture du sédiment, les inclusions et la nature de la couche, c'est-à-dire la façon dont elle a été déposée et ce à quoi elle correspond. Est-ce que c'est un sol? Est-ce que c'est un simple remblai? Est-ce que c'est le comblement d'une fosse ou d'autres choses? Et plus tard, ensuite, j'enregistrerai tout sur un ordinateur. Parfait. Avec ces descriptions, les relevés topographiques, les photographies et l'analyse des objets trouvés, les archéologues obtiennent une somme considérable de connaissances nouvelles. Elles feront l'objet de publications pour les chercheurs et le public. Ça, c'est une petite balle de mousquet. Alors on se trouve ici donc sur le bastion nord, donc une fortification qui est construite probablement au début du XVIe siècle, au moment où le château est sous occupation espagnole. Donc une terrasse qui était une terrasse haute, qui à l'origine donc surplombait le port de Collioure.
Il faut imaginer l'image qu'offrait ce bastion lorsqu'on le voyait avant qu'il ne soit englobé par le bastion postérieur qui a été construit par Vauban. Il faut bien comprendre que l'évolution du château médiéval se fait à partir de couches de fortifications successives, sans forcément détruire les vestiges les plus anciens. Chaque nouvelle occupation amène des évolutions dans sa construction. En 1659, Louis XIV annexe définitivement le Roussillon. Vauban va transformer le château de Collioure en vraie citadelle à la française. C'est un changement radical dans la conception des fortifications. Le tracé des bastions qui recouvre la place forte est beaucoup plus large et plus aigu. De nombreuses plateformes d'artillerie sont ménagées au sommet des bastions et sur les boulevards. On rase même la ville haute, avec ses maisons, ses remparts et son église, pour créer une zone vide de toute construction, permettant de dégager la vue du château contre d'éventuels assaillants. Car en ce XVIIe siècle, Collioure est toujours un enjeu du conflit entre Royaume de France et d'Espagne. La citadelle devient vulnérable, à portée des tirs de canon des forts qui l'entourent. Et donc à partir de là, on va essayer autant que possible de casser ces tirs par la construction de traverses que l'on doit globalement à Vauban et que l'on va retrouver donc sur l'ensemble du château et qui permettait de protéger, donc par exemple pour celui-ci, donc une partie de la fosse Bray en déviant ou en barrant les tirs de canon ou les tirs de bombes. C'est bien l'évolution de l'artillerie qui oblige à renforcer les fortifications, soit en accroissant la largeur des murs, soit en rajoutant des remparts ou des courtines qui vont renforcer le système défensif. Ici, on défend la terre, mais on défend aussi la frontière avec l'Espagne. Collioure est alors un port stratégique. C'était 2,50 il me semble ici, et 8,20, ouais. On retrouve du mobilier assez récent dans les couches un peu plus anciennes et on soupçonne que les cheminées ont été bouchées récemment. Et on essaye de les retrouver sur le terrain actuellement, sachant qu'on les a sur le plan. Pour mieux comprendre la complexité du bastion de la mer, faisons une visite inédite dans un lieu interdit au public, riche d'enseignements. Là, ben, on descend, je dirais une dizaine, douzaine de mètres, donc sous le sol de la tour d'artillerie. Alors, on se trouve ici dans le Moineau, le fameux ouvrage construit par Louis XI à partir de 1465. On est donc sur une salle voûtée. Dans cet espace souterrain, on a 14 évents ou cheminées qui sont des bouches d'aération qui permettent d'évacuer la fumée lors de la combustion de la poudre des canons, mais aussi d'évacuer le dioxyde de carbone. On a étayé l'ensemble de ces cheminées pour éviter d'abord qu'elles ne continuent à se vider et surtout pour éviter que les archéologues ne passent à travers lors de la fouille de la terrasse du bastion de la mer qui, lui, se trouve juste au-dessus de notre tête. Depuis la salle voûtée ronde, on arrive dans une galerie. On se trouve ici devant une des embrasures de tir caractéristiques du moineau. Ces embrasures qu'on appelle des embrasures à la française, qui sont caractéristiques de la période de Louis XI. Avec cette forme en point d'exclamation, une barre verticale qui peut servir de viseur, un orifice central qui permet donc le passage du canon. C'est des canons tout petits, des canons à crocs, hein, qui reposent donc ici sur cette banquette. Alors ici, on sort du moineau par cette porte qui, elle, est plus tardive. À la fin du XVe siècle, je me serais trouvé ici les pieds dans l'eau, dans la mer, puisque je suis à l'extérieur de la fortification. Et donc c'est quelques décennies plus tard, probablement au début du XVIe siècle, que sont entrepris les travaux de construction du bastion de la mer qui est venu englober le moineau français en créant cette nouvelle coursive qui, elle aussi, à son tour, va desservir tout un tas d'embrasures de tir. On se trouve à l'extérieur du moineau, à l'extérieur de l'embrasure de tir de Louis XI, qu'on en a vu tout à l'heure.
Et puis en face, je me trouve à l'intérieur d'une embrasure de tir espagnole, caractéristique avec ces empochements qui permettaient de maintenir le canon et qui est datée du début du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que seulement quelques décennies séparent ces deux embrasures de tir, qui sont en fin de compte le témoignage de l'évolution rapide de l'artillerie à cette époque. Le bastion de la mer est l'exemple type de la construction en millefeuille de la citadelle de Collioure. À la base, il y a le donjon médiéval, construit au XIIIe siècle par les rois de Majorque. Au XVe, Louis XI, roi capétien, fait bâtir le moineau. Au XVIe siècle, Charles Quint puis Philippe II d'Espagne construisent le bastion de la mer et la tour d'artillerie. Le moineau n'est alors plus visible. Pour finir, Vauban vient chemiser le tout et aménage les terrasses de tir. On a la chance d'avoir ici, sur le front de mer de la baie de Collioure, un canon de marine qui est dans un état de conservation assez remarquable. Alors, c'est une pièce d'artillerie qui est datée de 1812, mais qui correspond à un modèle de 1786 et qui est contemporain de ce qui devait se trouver sur le boulevard du Bastion de la Mer. Sur le Bastion de la Mer, les archéologues fouillent maintenant le dernier niveau, le sol tel qu'il était au XVIe siècle avant d'être remblayé à la fin du XVIIe. C'est le niveau où les militaires, ils ont marché. Ah oui. On tamise nos seaux au cas où on serait passé à côté d'éléments, de monnaie surtout, parce que ce sont des petites monnaies. Donc là, avec les mailles du tamis, on va aller voir en fait. Donc là, je viens récupérer, prélever deux boulets en basalte. Ils sont posés, abandonnés sur une couche de circulation qui contient du mobilier essentiellement attribué à la seconde moitié du XVIIe siècle et donc à la période d'occupation française. Ok. Donc là, je suis en train de laver les tuyaux de pipe, les fragments de tuyaux de pipe qu'on a trouvés à la fouille. C'est des pipes avec un tuyau très très long, une ouverture très fine et un petit fourneau qui peut être soit simple sans décor, soit décoré par exemple d'une tête de satyre. On en a trouvé plusieurs exemplaires. On voit bien qu'on est vraiment sur des motifs qui sont très standardisés et ça suggère donc une production vraiment en série, hein. Et on a très peu de variantes sur les décors. Les boulets, les munitions, mais aussi tous ces objets du quotidien raccourcissent la distance temporelle qui nous sépare des soldats de Collioure. Ici, on a mangé, on a bu, on a ri, pleuré, souffert ou triomphé. Camille ? Oui ? Il faut qu'on arrive à voir, en fait, en termes d'altitude, si on arrivait à faire émerger l'hypothèse d'une terrasse. Tout danger d'effondrement du sol est désormais écarté. Les cheminées d'aération des galeries souterraines du Moineau et du Bastion de la Mer sont à présent dégagées. On est en fin de chantier et on vient de démonter les pieds droits qui soutenaient les plaques, qui elles-mêmes soutenaient les 2 mètres de terre qui constituaient donc la colonne qui se trouvait engagée dans les cheminées. Et on retrouve maintenant une lumière naturelle dans cet espace, de la ventilation, en fin de compte, telle que ça devait être à l'époque quand elles étaient encore utilisées. Qu'est-ce qui nous fascine dans ce grand vaisseau de pierre amarré sous le soleil de Collioure ? L'émotion ressentie en posant nos pas, la même où se sont affrontés les Habsbourg d'Espagne et les Bourbons de France. L'imagination qui fait résonner sur les murailles les noms de Turenne, de D'Artagnan
et des mousquetaires du roi qui se sont battus là pour Louis XIII, pour le royaume de France. Est-ce le passé qui nous attire ou la recherche d'un sens à notre présent ?